Bonjour, j'espère que vous allez bien, je fais mon thé, j'arrive. Bonjour à tous. Comment... Pardon. Comment allez-vous? Alors, comment je vous mets? Attendez, il faut reprendre, je sais plus. Ah! Non, oui, peut-être. Non, Youtrozer. Hop. Na. Eh, on y est. Coucou tout le monde. Bonjour Drum, comment vas-tu? T'as vu? Il est moche mon arc-en-ciel, mais il a le mérite d'exister. Coucou Sempak, bonjour Livre Bleu. Coucou Bidule. Bonjour Cho, coucou Manu, comment ça va? Bonjour Kira, bonjour Décis, comment allez-vous? C'est la fête ici? Je suis fatiguée. Je suis épuisaxe. Au bout de ma life. Et en plus, si vous avez vu peut-être sur Instagram juste avant le stream, et ben avec Seven, on a pu faire un truc extraordinaire. On a vidé le bac de décantation. Du coup, j'ai les mains qui puent la merde, littéralement. Et ça m'a coupé l'appétit. J'ai pas mangé. Parce que j'ai plus envie de manger. Oui, miam miam. Vraiment, c'est dégueulasse. C'est genre... En vrai, je l'ai... En plus, on l'a vidé il y a pas longtemps. Je sais pas, ça doit être 6 mois de terre. Nous vend du rêve dès le lundi. Absolument. C'est genre 6 mois de terre qui marine avec un peu... Il y a sans doute un peu de café. Il y a peut-être il y a un peu de savon. Il n'y a pas trop trop d'autres trucs, je pense pas. Heureusement, on fait pas la vaisselle dedans, sinon je pense qu'on aurait des verres. Du coup, ça va, il n'y avait pas de verre. Il n'y avait pas de verre et il n'y avait pas de larves de moustiques. On s'en est bien sorti, mais c'était bien plein comme ça. Ça fait des bulles, ça réagit et tout. C'est sympa. Agréable. Coucou Alicia, merci pour ton deuxième mois de Prime. Merci beaucoup. Ça sent la merde, ben génial. Non, vraiment. Oui, c'est un cauchemar. J'ai ouvert. Genre, ça fait quelques jours que l'évier il a un peu du mal, mais j'avais vu qu'il y avait de la terre et tout un peu dans le siphon. Et là, j'ai commencé à utiliser l'évier. Et j'étais en mode, il y a un bruit. Ce bruit-là, c'est un bruit d'eau qui coule pas au bon endroit. Genre, le bruit, ça, je flaire, j'entends, c'est la fuite. Et ouais, et j'avais bien en plus une prise qui, pour pas être sur le sol, là où peut y avoir de l'eau, elle était sur la caisse, là où il y avait sa dos. Du coup, je l'ai mise de côté pour l'instant, parce que sinon, je pense que je vais m'électrocuter et je vais tout casser. C'était le son de la fuite, c'était le son qui fait, là, il y a un problème.
Et le truc, il était plein rapport. Et du coup, je suis contente, c'est Seven, elle était contente. Je lui ai dit, hé, Seven, j'ai un travail. Et elle m'a dit, t'as besoin de moi? Je fais, oui. Là, maintenant, de suite. Elle était heureuse. Elle a passé un bon moment. Très bon moment. Coucou Charlie, comment ça va? Comment vous allez tous? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Un bon week-end de The Event pour ceux qui suivent le The Event. Et du coup, dans ce cas-là, si vous avez suivi le The Event, j'espère que vous avez réussi à vous réveiller ce matin. C'est l'un de la complication. Moi, oui, mais difficilement. Très difficilement. Très très difficilement. C'était dur. Ah ouais, Manu, t'as réussi à te lever ce matin pour aller au travail. La motive, elle était là. Après avoir passé le week-end sur devant le The Event. Et c'était très chouette. J'espère que vous avez passé un bon moment, vous aussi, si vous avez regardé. C'était trop bien. J'ai suivi 0 minute, c'est vrai. La panique sur le réveil ce matin. Tu sais que mon réveil, il a sonné à 7h10. Mais mes yeux, ils sont ouverts à 8h30. Et j'ai pas vu l'entre-deux. Je sais pas où il est passé l'entre-deux. Il est certainement allé quelque part, mais je sais pas où. J'ai mis mon emploi du temps, il est nul à chier, pas de popoterie le samedi pour moi. Oh merde! Par contre, j'ai fait passer le mot comme il y a besoin d'élèves pour ton cours, je croise les doigts. Oh, c'est gentil de chaud. Mais désolé pour ton emploi du temps. En télétravail aujourd'hui, c'est le bon plan. Ça, c'est bien ça. Ouais, moi, je pouvais pas faire ça. Mais en plus, j'avais tellement la tête dans le fiac ce matin que j'ai pas pris mon iPad. Du coup au début je m'étais dit qu'on allait tourner sauf que non parce qu'en fait je peux pas vous lire du coup comme j'ai pas l'iPad. Il va falloir que je passe quelques fois sur le tour mais bon ce sera pas trop mais je pourrai pas vous lire quand même quand je serai sur le tour. Merci Zahel pour son 6e mois, merci beaucoup. Merci beaucoup, j'espère que tu vas bien, coucou à toi. Je suis en vacances donc le réveil était pas trop dur, le vide intersidéral post-event. Toujours aussi violent par contre, oui quand tout s'arrête ça fait bizarre. Ça fait bizarre à chaque fois. Je suis sur Didi pour le POC, n'hésitez pas, ça marche, merci beaucoup. Bon courage pour le taf, Drum. Bon courage à toi. Mais oui, le vide, il est toujours bizarre, ça, après. Mais j'étais tellement fatiguée que moi, j'étais en mode, allez hop, tchuss. Je me casse, je vais me coucher. Mais je me suis couchée à 3h du mat quand même. Hein. Je suis pas trop dormie à cause d'un certain event. Ouais, n'importe quoi, vu qu'hier, on craignait le chat. Oui, ben, j'ai dit que je prenais la responsabilité, Drum. Sans me hâte. Bah, t'es pas fière de moi, j'ai réussi à faire un chan. J'ai cliqué sur plus, j'ai donné un nom. J'ai fait un chan The Event 2 heures avant la fin de l'event, c'est bien, non? Non? Si, très fière, merci beaucoup. Mais j'ai dit que je prenais la responsabilité du spam dans la boîte à art. Je suis désolée, Drum. Je suis la mauvaise élève. Coucou Necron, comment tu vas? Il fallait rassembler les soldats hier. Mais oui, c'était trop bien. C'était trop chou. Je voyais tout le monde en mode, oui, il faut mettre le lurk. Du coup, on a réussi à... Sur le... Il y a toujours les messieurs sur le toit là-bas. C'est bizarre. On a réussi à mettre un lurk sur le Z-Place. Mercredi Pato pour la Corse. Ah, oh, trop bien. Et t'as renvoyé un message quand même à l'imprimeur? Ou tu give up? Ça fait une heure que j'essaye de voir la fresque, ça ne charge pas. C'est tout planté. C'est vrai? En plus hier aussi c'était tout planté le soir, il y avait tellement de monde dessus. On nous a attaqué le lurk mais on s'est défendu. Fait que pour le moment, l'abandon. Ouais mais je pense, je sais pas, au moins elle sera dispo, chaud la fresque. Gustar, comment tu vas? Comment ça va? Je pense qu'on pourra la voir. Ça tourne dans le vide en effet, c'est en thématique. C'est bon, elle paraîtra sur le print? Oui, peut-être, a priori. Oui, s'ils prennent tout à la fin, ils ont dû le couper maintenant. Oui, c'est... Mais je pense que tu peux quand même y accéder. Je sais pas, vous avez mis sur le Discord. Qui a mis sur le Discord que justement, en fait, ils ont mis une carte interactive du The Event. Et dessus, justement, tu peux... Genre, tu peux indiquer quelle la zone, à quoi ça correspond. Et comme ça, en gros, ça... Ça explique un peu chaque petit morceau du Z-Play, c'est chouette. Et il y a le petit lurk. À côté d'une petite pousse de Foki aussi. Ah, attendez, j'ai de l'eau sur mon tout. On a mis la petite pousse de Foki aussi. Ah, Costa, merci pour le 8e mois de Prime. Merci beaucoup. Merci. Trop bien. Bienvenue de tes sprites. Oui. Oui. Pas du manque de sommeil, mais là j'ai passé un week-end. Normalement, moi, à 22h30, je suis au pieu, hein. Je dors, hein.
Non. Je suis dans mon lit, un petit bouquin, à 23h30, tout le monde y dort. Là, moi, 2h ou 3h du matin, je sais pas faire, hein. Mamie, elle sait pas faire. Hein. Faut le faire pour le leur, ouais, je regarderai après. Comme ça a été fait pour le Airplay. C'est vrai, je savais pas, Kira, que ça avait été fait pour ça. Coucou Nymphéa, comment tu vas? Et bonjour la tranche, bonjour à toi. J'espère que ça va bien. Mais je savais pas, Kira, que ça a été fait. Mais c'est chouette en vrai. On ira voir après j'irai voir après pour le mettre. Puis faudra mettre la petite pousse de Foki aussi. Mais du coup, c'est trop chou. Ensuite. Mais non, c'est pas vrai. Il en fait des caisses. Vous avez vu le catch? J'ai jamais été fan de catch, mais c'était quand même impressionnant. Et ben, moi j'ai découvert le catch. Enfin, découvert. Genre, je suis allée voir un match de catch. Je sais plus quand. Il y a. Au début de l'année? Ouais, au début de l'année. Et justement, avec. Où il y avait. Je sais pas s'il y avait Aigle Blanc. Je sais plus, je crois pas que j'ai vu Aigle Blanc, mais il y avait Kuro. Et du coup, hier, je suis sortie dessiner. Mais à 17h30, il n'y avait pas de réseau, mais on avait un téléphone pour pouvoir regarder le catch, c'était trop bien. Et en vrai, c'était chouette, c'était vraiment cool. Mais depuis que j'ai vu un match de catch, c'est juste, je trouve ça trop bien. J'ai trop envie de retourner voir un match. Et en plus, j'étais en mode, yes, vas-y, cours! Let's go! Mais c'est trop cool. En tout cas, sur le moment, l'ambiance, elle était tellement chouette dans un match que du coup, ça a mis l'ambiance aussi dans ma tête. Pour regarder là. Et c'était cool en vrai, ils ont fait des trucs chouettes, donc c'est sympa. Coucou Cocotte, comment ça va? Dodry Venzi en sueur aujourd'hui. Ouais, il y en a peut-être 2-3 qui l'a senti passer. Pas fan de catch en général, mais je trouvais ça hyper impressionnant. Ouais, et puis trop cool de montrer ça. Fait si doux et beau, c'est bientôt l'automne. Je sais pas où, Nymphéa, où j'ai vu qu'il faisait 37, je crois vers Bordeaux, c'est bac à 37, c'est n'importe quoi. Pareil, j'y connais rien, mais là de voir Rivenzi et Ponce, conseil amateur, se mettre ça. J'étais pas bien, peur qu'il se fasse mal. Il y a peut-être quelques trucs qu'ils ont senti passer, mais c'était. Franchement, c'était cool. 31? Bah, ici, je sais pas, il doit faire 28, 29, je crois, au boulot. Simon disait que Bordeaux 37, 39. Ah, bah, c'est ça, j'ai dû voir sur ses stories. Quel enfer. Couroute, comment ça va? L'été est terminé, il fait nuit à 20h. Ouais, mais si les températures pouvaient baisser aussi, ce serait bien. Je dirais pas non à ça. Mais on a déjà eu cette musique? Pourquoi tu nous remets une musique qu'on a déjà eue en fait? En fait. Da fuck. Ok, si c'est bon. Et coucou Spirolis, comment ça va? Bonjour à toi. Mais ouais, du coup, bon, ce week-end c'était ça. Mais c'était très tranquille. C'était vraiment le samedi, j'ai mangé un repas. Le dimanche, j'ai mangé des chips. Et le samedi, j'ai fait le. Tous mes pas, c'était entre le frigo et le PC. Je pense que si je regarde le nombre de pas que j'ai fait samedi, c'était frigo, PC. Peut-être un petit coup vers la salle de bain. Et hop, retour au frigo. Non, retour au PC. Et ouais, voilà, à peu près ça. Il y a peut-être eu une douche à un moment. Je suis pas sûre, je suis pas certaine. Je m'avancerai pas là-dessus, quoi. Enfin, un week-end classique. Coucou Tarsier, comment ça va? Le week-end de calme, absolument. 23 avec un magnifique soleil. Ah, oh, trop bien, Nymphéa. Ça me dérange pas vu que je peux profiter de la journée et c'est crevant les fortes chaleurs. Oui, pour le coup, les fortes chaleurs, c'est compliqué. Hein. Je me suis bien mis pendant le week-end. Oui, c'était bien. Je fais de la ratatouille le vendredi avant 18h, j'en ai mangé tout le week-end. Ça, tu vois, ça, c'était de la bonne réflexion. Moi, j'ai pas fait de course avant. J'ai pas fait de course. J'ai pas eu le temps. Du coup, j'étais démunie. J'étais démunie, j'avais rien à manger. Il n'y avait plus d'argent sur mon compte parce qu'ils y avaient donné. Et donc j'étais en mode je ne peux pas commander. Donc j'ai trouvé des pâtes. J'ai mangé des pâtes, c'était bon. Coucou Octo, comment ça va? Let's go les vacances. Bonjour Bébert, comment tu vas? J'ai regardé sur le stream de la main qui l'a regardé en même temps. Tout le monde aussi bien calé sur son chat avait trop peur pour eux. Et trop impressionné de dingueries qui sortaient. Ah ouais, trop bien. Mais oui, je pense que tout le monde regardait en vrai. Des pâtes dans des super bols. Oui, regardez, j'ai sorti. Ah, oh, ça va les vacances, trop bien. Profites-en bien, Octo. J'ai jamais eu à décuver. J'ai rien à décuver, mais je suis fatiguée. Mais c'est plus les 3h du matin. Merci la tranche pour l'hydratation. Oh, j'ai fait un thé aujourd'hui parce que je sais pas, je me suis dit que là, le café, après le bac de décantation, ça allait pas passer.
Mais je sais pas si le thé il va mieux passer. Et je sais pas si la théière coule bien, donc je vais pas. Oh, honnête. Oh, waouh. Waouh, elle coule bien. OMG, trop bien. Ok, elle coule pas trop mal. Le R, exactement le R. Merci, Emily Lancaster. Ça, c'était. Bah voilà, hop, vous l'avez là, ici. Il y aurait peut-être mieux. Je l'ai fait il y a longtemps, mais je l'ai jamais mis à vendre. Parce que je sais pas, elle est pas forcément parfaite. Enfin, elle est pas parfaite, mais je suis contente en vrai, elle est... ça va. Ben. En mug comme ça, elle fait un peu plus d'un mug. Mais sinon, en plus petite tasse. Bon, elle est pas très grande, hein, elle fait un peu plus d'un mug. Mais j'avoue, je l'ai jamais pris en photo. Ah, en fait, c'est pas mal. Mais j'aimerais refaire des théières et c'est mon oncle qui m'a parlé d'un truc. Comment il fait? Où en gros, il y a un trou dans le bec. Mais genre en dessous, juste un trou qui remonte vers le haut. Et du coup, quand tu verses, en fait, là, si t'as une petite goutte qui part ou même à la fin, et ben elle est tout de suite réaspirée par le trou. Et du coup, j'ai envie de tester. Il m'en a parlé pendant 3 semaines. Il faudrait que tu fasses ça. Et Bah du on coup, l'a vu en vrai, nous, et ça marche bien. c'est vrai? Bah du coup, faudrait que j'essaye ça. Faudrait que je teste ça. Coucou cafetière, comment tu vas? C'est de notre faute, on plaide coupable. Bon, non, j'aurais regardé jusqu'à 2 h du matin quand même. Hein. Vous m'avez tenu un peu plus éveillée. Ah, merci, Tchor, c'est gentil. Merci beaucoup. Le R. Les photos se sont bien passées. Alors, j'ai give up un peu la moitié des photos. D'ailleurs, il faut que je fasse ça, il faut que je mette le site en ligne. Super, le freeze. Il faut que je mette le site en ligne. Faut que je fasse ça. Oh, tu t'aurais pu, Stark, mais une prochaine fois. Et faut que je mette le site en ligne. Les photos, j'ai give up certaines et j'ai regretté d'avoir give up certaines. Genre, j'étais en mode, bon, je vais recadrer. Sauf que du coup, ben, elles vont pas forcément toutes ensemble. Donc, ben. Faudra que je le refasse. Mais faut que je mette le site en ligne. J'ai un peu peur de mettre le site en ligne. Le bac, au fait, dans la story, c'est le bac de décantation. En gros, sous l'évier, il y a un bac de décantation qui est fait maison, là, avec des caisses. Et pour éviter de remettre plein de terre dans les canalisations. Donc tu remets pas plein de terre dans les canalisations, mais le bac, bah, au bout d'un moment, il est rempli de terre et donc il faut que tu le vides parce que ben ça s'écoule plus. Et là il était full plein là. Là il était tellement plein en fait il a débordé. C'est pour ça que j'ai remarqué qu'il fallait le vider parce qu'il était juste complètement plein. Le R est toujours avant le T. Oui? Et alors? Mais le T a tout son nom sur le Z-Place. Quoi? Oui, c'est vrai, le Took, mais pas le Tarsier. Mais ouais, du coup. Mais en gros, Necron, du coup, dans ce bac, t'as de la terre qui est accumulée depuis longtemps. Depuis très longtemps. Et c'est quand même une matière un peu. Enfin, il y a des matières organiques dedans. Et donc, ça sent un peu Merde. l'odeur, ouais. Voilà, ça pue la merde, vraiment. Enfin, il y a une story que Seven a mis. Où je suis en train de vider le truc et vraiment il y a un mouvement de tête où c'est en mode. C'est juste, c'était. Il y avait un petit vomito, il était pas loin quoi. Combien de tonnes? Non, il pèse pas forcément. Enfin, si, ça pèse lourd quand même. Mais il est en plusieurs parties. En gros, il y a une caisse dans une caisse dans une caisse. Et du coup, ça fait circuler l'eau pour que du coup toute la terre puisse se déposer petit à petit. Et donc, mais au bout d'un moment, tous les bacs sont pleins quoi. Mais ouais, ça sent la. En fait, non, ça sent pas. Si, ça sent un peu la merde. Et c'est genre une. C'est genre à marée basse, quoi. Une bonne plage de Bretagne avec pas mal d'algues à marée basse. C'est à peu près ça. Et c'est pas. C'est organique, quoi. Ça voyage. Tu peux rejoindre en étant mute. Oui, t'es pas obligé de parler non plus sur le Discord. Mais moi-même, j'ose pas aller sur mon propre. Enfin, j'ose pas aller sur les Discord parfois. En vocal, donc je comprends. Coucou Sophie, ça va bien avec toi? C'est très précis. Ah, mais c'est ça! Vraiment, c'est un voyage. C'est un voyage. C'est juste un voyage. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a un autre truc que j'avais essayé de commencer à dire. Oui, si, il faut que je sorte le site. C'est ça. T'as trouvé 3 drapeaux alsaciens. Est-ce qu'il y a la fave? Oh, on a dû mettre la fave. J'ai peur de mettre le site de suite. J'ai peur. Et les photos, ouais, j'ai un peu abandonné et du coup c'est pas trop mal, mais c'est pas forcément fou. Et surtout, il va falloir qu'on instaure une règle
Faudrait que je clique sur publier quand même, que je publie le site. Mais il va falloir instaurer une règle, c'est que s'il y a un problème, si c'est moche, si ça bug, il faut absolument pas me le dire. Ou en tout cas pas là maintenant de suite, mais genre un petit message plus tard, parce que sinon je vais paniquer. Et je peux pas paniquer. Ou alors je le mettrai en ligne à la fin du stream, comme ça vous pouvez pas me faire stresser en me disant alors il y a ça qui bug, il y a ce lien qui marche pas, ça c'est claqué, etc. Tu décores les bols aujourd'hui? Oui, du coup je vais devoir faire ça. J'ai sorti le test là, que j'ai vraiment fait à l'arrache. Et du coup sur le test, j'avais mis là de la porcelaine avec glossy brut et satiné, du grès avec glossy brut satiné et un mélange de porcelaine et de grès, genre à peu près un 50-50. Et du coup je pense que je vais partir là-dessus. Vous voyez pas trop, mais en gros c'est un petit peu plus chaud que la porcelaine. Parce que du coup il y a un petit peu de grès donc c'est moins blanc parce que là vraiment la porcelaine c'est très froid. Là vous voyez, là c'est la porcelaine et ici c'est le grès. On voit évidemment pas de diff, on voit pas de diff, zéro diff. Et ça bug, il faut te le dire. Sinon c'est embêtant, si c'est moche on trouve la personne qui dit que c'est moche, on la coupe de 2 mètres de terre. Il faut le dire, mais genre sur Discord pour que je le vois à la fin du live. Mais du coup, il va falloir faire ça. Donc je vais... J'ai de la porcelaine d'un côté et j'ai mon bac de grès recyclé de l'autre. Du coup, au début, il va falloir faire un peu de bouillasse pour préparer la barbotine et ensuite peindre sur les assiettes et graver. Donc on va faire ça. Si vous êtes chaud aujourd'hui, on va faire ça. Et sinon, j'ai sorti des trucs du four. Donc j'ai sorti ces assiettes-là. Et les assiettes ressembleront pas du tout à ça, hein. Mais ça c'était celle, les espèces de bols, assiettes creuses, assiettes à pâte que j'avais fait en grès blanc et qu'on avait mis avec l'engobe. Et en vrai c'est stylé, hein. Mais je pense que je préférerais quand ce sera inversé. Coucou Tarsier! Non, Touc, pardon, pas Tarsier. Enfin, si aussi Tarsier, mais je t'ai déjà vu. Comment tu vas, Touc? 366. Oui, j'ai toujours pas trouvé vos autres numéros. Mais je pense que je dois pouvoir exporter une liste des follow et pouvoir trouver sur la liste. Mes respects. Mais ouais, c'est assez stylé. Je suis content en vrai. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je pense que ça rendra pas trop mal avec ça. Enfin, en gros, ce sera ces couleurs-là. Du coup, faut que je fasse ça aujourd'hui. Donc j'ai sorti ça. J'ai sorti. Psy portant sang, le chiot portant sang qui est Mims. Celui-là il a un petit défaut donc je vais le garder. Je vais voir aussi, je vais pouvoir tester l'encens, est-ce qu'il tient bien. Coucou JBZR, oui c'est ça. C'est pas celle que je vais faire, mais c'était, j'en avais fait avec du grès blanc et du coup ben je les ai décorés quand même, j'aime bien, mais je pense que je vais les vendre en. En vrai, j'hésite à les vendre en duo. Parce que je trouve qu'elles sont jolies ensemble et je vais pas en refaire comme ça. Oh, c'est beau comme ça l'un dans l'autre. Waouh, on dirait une fleur. Oh, on dirait une fleur, c'est joli. Mais je pense que je vais les vendre en duo. Parce que je vais pas en refaire des comme ça, a priori. Et je les aime bien ensemble, donc j'aimerais bien qu'elles restent ensemble. Donc je pense que je vais les vendre en duo, celles-ci. Et de toute façon, si je les vends pas en duo, je les garde pour moi. Donc, on va les vendre en duo. Donc, j'ai sorti ça. Ah, merci à Sadia. Bonjour, Disten. Comment ça va? Elles sont trop belles ensemble. Tu sais le prix dans l'idée? Non. Je sais pas. Là, je vais pouvoir noter quand même un petit peu, voir combien de temps ça me prend les décors. Et du coup, ça me donnera une idée des prix. Donc, j'ai sorti ça. Et les assiettes creuses. J'ai pas sorti d'autres trucs. Il y avait que ça. Bon, je sais déjà plus ce qu'il y avait. À quoi ça prend de la place? Et les assiettes à pâte comme ça. Enfin, des pasta bowls. Pas vraiment assiettes à pâte, mais pasta bowls. Voilà. Qui sont chouettes, hein? On avait que 3, mais je les aime bien. Coucou Brinjella, bonjour Shenbo. Comment vous allez? Une collection d'assiettes qui s'empilent et qui forment une fleur, absolument. Et voilà. Celles-là, je les aime bien. On a décoré des deux côtés, du coup. Mais j'en suis contente, je les trouve très jolies. Et finalement, je trouve qu'elles ont une bonne taille. Donc là, j'en ai que 3, donc je vais pas les mettre en ligne de suite. Mais au prochain, dès que j'aurai les autres, on mettra ça. Je mettrai ça sur le site. Et voilà.
Celles-ci, je les aime beaucoup en vrai. Ah, c'est gentil la tranche, merci. Bah là, en gros, avec dans cette collection, j'ai des assiettes creuses, des grands bols à ramen, des assiettes, et là maintenant des pasta bowls, et des coupelles et tout. Mais là, ouais, ça j'aime beaucoup. Au pire, tu te resserres, ouais, et puis là, si tu te resserres, c'est que t'as une bonne dalle, quoi. Ça va? Ça s'inspire de mon existence ou c'est au gré de tes inspirations? Non, j'ai des, je me base sur des références de montagne généralement. Après, je le suis pas forcément exactement, mais ça va comme un lundi pour tous, oui. Oui, ça va comme un lundi. Mais je respecte pas exactement mes références, mais c'est à peu près. Ça me donne une idée dans la compo un peu. Au gré, t'as vu, c'est beau, hein, c'est bien fait. Bon appétit! Merci beaucoup, j'ai plaisir. Et voilà, du coup, ça c'est ce que j'ai sorti, où je suis content. Oh, est-ce qu'il est bon le thé? Mais pourquoi? Il est bon le thé. Et du coup, on va commencer par faire de la bouillasse. Et aussi, attendez, je vais prendre un croc de sandwich. Parce que du coup, j'ai pas mangé. Parce que j'étais un peu deg. Et. Je prends un croc de sandwich, attendez. Ça va mieux. J'avais pas. J'étais en mode si je mange, je vomis. Avec ce truc-là, juste après le décantation, je pouvais pas. Mais là maintenant on est better. Alors, on va falloir faire de la bouillasse. Pour une fois, j'ai pas forcément la déprime post-event. Au contraire, je vais pas être la forme, c'est vrai? Merde, je vous ai tapé, désolée. Oh, je suis désolée, je vous ai mis un coup de seau. En vrai, moi, ça va. Non, en vrai, c'était cool. Mais j'ai jamais eu de déprime post-event. Je sais pas. J'ai jamais trop eu ça. Je suis toujours en mode, ouais, c'est cool, mais. De toute façon, il faut bien que ça s'arrête aussi à un moment. C'est la Ramouine qui fait ça. Vous avez win. Non, vous avez pas tout win, non. Vous êtes fait éclater pour la première. Remember la première? Ouais, vous êtes fait éclater pour la première. En même temps, vous aviez une sacrée équipe, hein. La première était Kurt. C'est peut-être les joueurs qui étaient Kurt, hein. Alors, regardez, vous allez voir comment on fait de la bouillasse. De manière professionnelle. Mais il est trop beau en plus le fan art que t'as fait, bébé. Ici, si on a de la porcelaine. Comment se faire? Ne parlons pas de la première, ouais, on n'en parle pas. Donc là, on a de la porcelaine. Et donc, pour faire un 50-50, je me suis dit, je vais faire. Ah, c'est un peu dur. Oh. C'est un peu la même ambiance que. Hop, on va faire un mug. Allez, deux mugs. Un mug, deux mugs. Et on va faire pareil. The Event 2018, c'est chute, c'est vrai. J'ai peu dormi, mais je suis au taquet depuis 8h ce matin. Ah, mais c'est trop cool. En vrai, j'ai passé une bonne soirée. Et puis finir le The Event pas tout seul dans mon coin, c'était cool. Hop! Ouais, c'est bien ça, un deux mugs. Putain, ça c'est de la bonne pesée, ça. Hop! Bon, par contre, l'autre seau, je vais pas réussir à la porter, donc je vais juste peser les mugs comme ça. Alors. Ah, oh, c'est dégueulasse. Un mug. Il y a un cheveu de mug. Un ticket pour l'Atlas de Foki, je le fais aussi pour toi. Ah, si tu veux, oui. Ah, trop chou. Splosh, oui. Ah, il y a un cheveu. Ok. Hop.
de la gâte ou trop miam, go refaire la recette, bien sûr. N'hésitez pas. Ah oui, l'étiquette de la fave, c'est à jamais, hein. La différence entre un mug de l'ODEM et une chope, c'est un peu la même, hein. Regarde-moi cette bonne bouillasse là. Le visiteur du futur. Non, pas vu. Pas vu. Même, je n'ai pas entendu parler. Allez, petite bouillasse. On mélange comme ça là. Je sais pas si. J'espère que j'avais vraiment fait un 50-50. Tu fais des tubes de bouillasse dans le shop. Vous voulez prendre de la bouillasse à emporter? On peut faire un château. Si vous en demandez réellement, je trouve une nouvelle playlist. Oh, mais let's go! Coucou Bozeyou, bonjour Litani, comment vous allez? Ok. Ok, et ça, on va le tamiser. Tamiser un autre seau. Je vais dézoomer. Là, j'en ai mis partout. J'essaye d'avoir la forme. C'est une fondue un peu, c'est un peu ça. Non, je vais prendre le grand tamis. Mais pas le 120. 80, c'est bien ça. On est d'accord? Oh, ça va couler à côté, c'est pas grave. Nouvelle recette des galettes au sarrasin. Exactement, on prend 50. Enfin, on fait un moitié-moitié. C'est comme un 4 quarts, sauf que c'est un demi-demi. Et on fait moitié-moitié. Et s'il y a quelques cheveux, c'est bien, ça rajoute un peu de fibre. Je t'ai attendu au flèche tout le week-end. Oh, il s'est pris un lapin. Ça crédite la commu sur les dessins. Oui, c'est trop cool. Un demi-demi. C'est comme un 4 quarts mais demi-demi. Et hop. Oh, ça me dégoûte un peu. Trop cool, tout. Merci. Et hop. Et on espère que ça coule pas à côté. Et ensuite, on passe au tamis. Un temps pour temps. Un demi-demi, ça, c'est bien. Oui, c'est vrai, c'est un temps pour temps. Putain, il est très tendu, ce truc. Ok. J'ai envie de remettre de la porcelaine dedans. Qu'est-ce que tu fais? Je prépare une engobe. Comment ça va, Marisson? Ouais, je prépare une engobe, un temps pour temps de porcelaine et de grès. Est-ce que je mets un peu plus de porcelaine? Non, je crois que j'ai fait à peu près un 50-50. C'était vraiment à peu près 50-50. Un 4 quarts avec deux ingrédients. Petite bouillasse là. La nuit était courte. Bon, c'est bizarre ça. T'es bien le seul, hein. Nous, on est tous au top. On fait ça bien pour le place. Ouvrir un ticket sur un serveur spécial. Ah oui, du coup, c'est pas tout le monde qui le fait en mode de random. J'imagine que ça peut vite partir en vrille. Petit mood. Au top pour être dans mon lit. Oh, t'es dans ton lit? La chance. Oh, mais même vite dessus. Sur le serveur pour
pour attribuer. Ah bah voilà, quand on parle du loup. Bonjour madame, bonjour Paume, comment tu vas? Mais il suffisait de l'appeler. La vie est là. La VIP est là en fait. Qu'est-ce que t'as fait encore? Eh ben on était mort d'inquiétude. Non, apparemment t'es VIP sur un serveur ou pour créditer sur le Z Place. Dame Gouache, c'est son autre nom absolument. Attends, quoi? Je sais pas moi, c'est tout qui dit. Si c'est faux, c'est tout qu'un. Tu t'en prends pas à moi. C'est la faute à Touk. Moi je fais de la bouillasse, hein. Ça se voit que je connais pas grand chose. Hein. Regarde, je suis en train de tamiser de la terre avec de la terre. Pour faire une terre mélisse. Ah, des jets d'ocœur, oui! Ils ont bossé avec nous pour le Watt. Ah, oui, oui, c'est les jets d'ocœur qui s'occupent de ça. Coucou pingouin, comment tu vas? Je m'éponge. Oh non mais l'éponge elle est dégueulasse, elle a vécu l'enfer. Ah, je me suis fait pipi dessus. Mais oui, c'est vrai que les jets d'ocœur ils ont bossé pendant le Watt aussi. Célébrité, ça commence comme ça, bah bien sûr. On s'en rend pas compte hein. Est-ce qu'il y a une petite plante fesse, Paume? Sur le Z-Place. Tant que les plans de fesses sont à fond. Bon courage Manu pour la nuit. Pas ouf mon château de sable, pardon. Il est trop beau mon château de sable. Putain mais demande de crédit. Encore émotionnellement sous le code d'Eleven, c'était génial. Ah oh, trop cool, mais oui c'était trop bien. C'était vraiment très très chouette. Waouh, regardez, ça fait un château. C'est un peu épais. Hein. Ça fait genre une crème fouettée. Une chantilly un peu. Tu vas stocker les pouces. Hop, ok. Ça, on est bon. Donc ça, on va mettre de côté et je vais le nettoyer plus tard. Dans un avenir plus ou moins lointain. Ah, on va prendre un peu d'eau. C'est vrai que c'est joli. Je fais vraiment de la bouillasse. Hein. Ouais, mais le pinceau, il est sale maintenant. Ah si, le bout de l'autre pinceau. Il est où l'autre pinceau? Oh non, on a besoin de ce pinceau. Il est là. De la glace à la noisette. Oh, j'avoue, une petite glace. Ça fait une crème glacée. Hop. Je vais pas faire ça, attendez. On va être professionnel. Regardez. On va sortir le ménagère à peinture. Non, dans l'autre sens, ce sera mieux. Pour créditer les dessins sur le display, sinon on a fait un lurk et une petite pousse. Pour créditer l'Oden et Foki, oui. Mais il y a plein de trucs qui sont organisés par les... Ben, je sais pas si c'est...
En vrai, si, peut-être qu'ils sont peut-être pas organisés par les Jetokers, mais en tout cas, ils doivent gérer toutes les infos dessus, non? Oh, tu mens, bébert. T'es le seul. J'ai mis de la terre dans mon thé. Ça a giclé dans mon thé. Oh non. Je suis abattue. Je vais peut-être le boire quand même. En vrai, il n'y en avait pas beaucoup. C'est pas la première fois, non. C'est juste que là, j'en suis consciente. Il a le même goût mais je sais pas. Oh, t'arrives à ce niveau-là. Ouais. Tu prends les nouilles instantanées là. J'en peux plus. Tu veux piquer du sandwich? Où t'as... Ah mais c'est le sandwich de ce matin. Non merci, je vais prendre des nouilles. Un petit goût de pain au lin. Ouais, en vrai, je pense que d'ici quelques minutes, j'aurais oublié qu'il y a de la terre dedans. Coucou Lisball. Salut à tous, tu connais la suite sauf un? Merci Distène pour l'hydratation, je vais prendre de l'eau, hein, pas du thé. Hein. Bon. Attends, on va recommencer du coup. Non, me crédite pas. Crédite Ber. Ah bah si, bien sûr, si, le R, si, le R, il faut le créditer. Et elle mélange en plus. Ben ouais, pour que ça soit dissous. Une fleur qui va pousser dans le thé. Attendez, j'ai... Coucou étincelle. Pas ici. Encore un peu épais, attendez, on en remet. J'ai 3 inscrits le samedi. Let's go. Oh putain. Si ça sent la terre, c'est normal. Ouais, mais. Je suis pas à l'aise. Mais j'ai déjà pris trop de terre dans la gueule aujourd'hui. Ça manque d'eau encore, hein? Allez, allez, on donne tout, allez, 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 allez! On est parti! Je vais peut-être prendre, on va le mettre dans le sens. Ok, je pense que comme ça, c'est pas mal. Ça s'est dévissé, mais là, on est bien. C'est mieux. Ok, ça c'est mieux. Oh, regardez-moi comme c'est souple, c'est onctueux. Ce bruit de mort. C'est pas encore pâte à crêpes, hein. Mais pâte à crêpes, ce sera peut-être trop épais. Ou là, c'est peut-être trop épais. Je sais pas. Attendez, on y va, on balance. J'aurais pas dû faire ça. Merde. Faut que j'assume maintenant. Merde, j'ai débranché le truc. Coucou Zorion, comment ça va? On connaît maintenant d'où viennent les avis de... Attends. De Karen 1956 qui dit c'est dégueulasse, c'est un goût de terre, je ne commanderai plus ici. Oh non. Ok, non mais là ça va le faire, là ça va le faire. Attendez un petit peu de thé là. Hop. Il y a des morceaux, mais c'est le thé. Oh. J'aurais une beugère, je crois. Non, ça va. Il y a un morceau de thé qui est coincé dans la gorge. Oh, c'est compliqué aujourd'hui, hein. C'est difficile, hein. C'est difficile. Te moque pas, paume. Je fais de mon mieux. Ok, c'est bon. C'est bon. Très beau fanart. Le fanart est très très beau, en effet. Ok, c'est bon. Là, on est pas mal, là. Ok. Ouais, c'est good. T'es la meilleure, change rien. Ouais, c'est ça. Alors. En vrai, je pense que je vais faire 2 pièces par 2 pièces. Parce qu'en gros, là, il faut que j'aille peindre
faut que j'aille poser ça sur la pièce. Et je pense que je vais juste bouger. Je vais faire deux pièces par deux pièces. Genre, j'engobe deux pièces, on gratte-gratte. Je réengobe deux pièces, on regratte-gratte. Donc je vais juste bouger la cam. Genre vers le tour. Vous allez pas juger, s'il vous plaît, hein, parce que c'est le bordel, j'ai rien nettoyé. Hop. C'est soit un animal, soit une potière. Un animal, c'est comme ça qu'il parle d'un lapin. Aïe aïe aïe. Ok. On est. Ah. Ouais, ça passe. Parfait. J'enlève la cam. La webcam. Ou quoi que. Merde, je suis bloquée. Attendez. Je suis kéblo. Ok. Si, on va enlever la webcam quand même. Hop, on va se mettre là comme ça là. Ok. Le saut. C'est où? C'est le bordel. Ça va rester là parce qu'on s'en fout. Bon, je peux pas vous lire, du coup, dites pas de bêtises. Hein. Le premier qui dit une bêtise, je le vois pas. Mais je le saurai plus tard. Hop. Et on va. On fait quoi? Une assiette, un bol? On va tester les bols, on en a pas encore fait. Ah, c'est pas allumé. Ok, on essaie. Mets-toi au centre là. Je pense que c'est encore trop épais. Non, peut-être pas. C'est bon? Bon appétit, Seven. Merci. Remets-toi au centre. Je sais pas si vous voyez quoi que ce soit. On passe le cacher. Hein. On va gratte-gratte aussi en dessous hein, parce que je crois que je fais n'importe comment. Je crois que c'est trop épais. Je crois qu'il va falloir remettre de l'eau. Un peu d'eau. Oh, après ça passe. Ça passe. Après le côté aléatoire et pas forcément parfait, ça fait partie du charme. Et on va faire le petit vase pour varier. Celui-là, faut que je le fasse en pichet. Ok. Ouais, allez. Et comme ça, faut décorer absolument toutes les pièces qu'on a fait la semaine dernière. Il y a un monde où vous m'entendez même pas, si je crois que c'est bon ça. Ça malheureusement. C'est bien le seul truc qui serait peut-être pas dérangeant, et c'est le seul truc qui est sûr. Hop. Ouais, faut que je remette de l'eau. Faut qu'on refasse de la bouillabaisse. C'est trop pâteux. C'est joli, non? Il y a un monde où c'est joli, ce truc. C'est très satisfaisant à faire. Ouais. Waouh! Trop beau! Allez, hop, ça dégage. La personne qui se tape au moins. Ok, je vous ramène là. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Attendez. D'être followed par Angelo Céramique. OMG, Angelo Céramique. Oh, faut que je mette le. Va falloir que je fasse une commande pour Angelo aussi. Ok. Oh, en plus, il va falloir mettre le. Vous savez que Seven, elle a ouvert. Enfin, elle a ouvert. Elle a mis son site en ligne. Ça va ouvrir la boutique le 17. Et mais n'empêche que c'est en ligne. Attention. Ok. We back. Tape sur les bambous.
Ok. Ah, oh, coucou Tonyob! Comment tu t'es battue? Tu t'es bien battue? On parlera du clip dans quelques semaines. Non, ne faites pas ça. Ok. Ah. Non! C'était... It was a bait. Coucou Chauve, oui, ça barbote. On fait... on va faire le décor de ces pièces. Bon, là, faut que je vienne graver. Et on a fait... on a fait une bouillie de 50-50 porcelaine grès. Pour que ce soit pas trop mal. Genie d'Archibald. Merci Gunsuko pour le café. Je vais prendre du thé à la terre. Comment tu vas? Il y a un truc qui est farineux. Je sais pas si c'est la porcelaine ou si c'est dans ma tête. Ou si c'est juste que... Ou si c'est le thé. Alors. Non, tu t'as vu d'ailleurs que Jaco, elle va faire une braderie dans un thème. Ouais, j'ai vu. À deux doigts d'y aller, si je reçois Pôle emploi. À deux doigts de ramener mes pièces, surtout. Mm-hmm. Enfin, moi, je peux les vendre aussi. Tu mets les mailles après avoir gratte-gratte. Je mets les mailles là, après ça. Il va y avoir une première cuisson. Et ensuite, je mettrai les mailles. Oh, c'est dégueulasse, tout ce que j'ai. Ok. On est bien. Attends, mais en vrai, je vais mettre comme ça. Peut-être que je vais laisser la cam comme ça, la grande. Je sais pas ce que vous en pensez. Speaking of Pôle emploi. Ou si je suis un peu trop en grand et vous êtes pas très à l'aise, quoi. Vous pouvez me le dire. Hop ! Si, on est pas mal, là. Ok. Coucou Lila Rose ! J'espère que tu vas bien. Je suis nouvelle sur les lives. Pourrais-tu expliquer ce que tu viens de faire ? En gros, là, ces pièces-là... Alors, le décor, je fais la même technique que ce que j'ai fait pour ça, sauf que là, les couleurs seront un peu inversées. Mais tu vois, sur cette assiette, la terre de base, c'est celle-ci qui est blanche, le gris blanc. Et dessus, je viens poser de l'engobe, qui est en gros de la terre liquide. Et là, c'est de la terre liquide qui a été teintée avec des colorants noirs. Et donc, je viens le peindre dessus. Là, c'était même un petit peu trop épais. Il va falloir que je rajoute un petit peu d'eau. Je viens peindre dessus. Et après, je vais venir graver, du coup, des montagnes dedans. Pour retrouver la couleur de la terre derrière. Donc, c'est ce que je vais faire, en gros, pour pas que ça sèche trop entre chaque pièce. Je pose l'engobe. Ensuite, là, je vais graver les montagnes sur les deux pièces. Et après, je réengobe deux pièces et je regrave, etc. On va faire des... Vous allez me détester aujourd'hui, on va faire des allers-retours, ça va être insupportable, vous allez avoir envie de vomir. J'ai trop bien fait la bagarre, j'y retourne demain, trop cool! Trop bien, super ambiance, sauf le gamin qui m'a traité de père de famille, petit con! Tu l'as démonté, j'espère! Tu l'as... Sur le ring? Tu l'as fumé? Je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Mais j'espère que tu... Hein? Tu lui as montré que c'était le patron. Enfin, sur le ring, hein, seulement. Sous couvert de voilà. Avec plaisir, n'hésite pas si t'as d'autres questions. J'ai fini le déménagement d'un pote. Ah oui, du coup, un peu fatiguée, tu m'étonnes. Ok, bon là, comme j'ai fait ça un peu salement, je viens juste gratter pour refaire une ligne nette. Parce que le but, c'est quand même que ce soit assez net ce que je fais. Là, ça l'est pas. Là, c'est pas net. Ok. Oh, il y a les tasses aussi à faire. Au toucher, les montagnes sont en relief, ça se sent pas. Si, ça se sent un petit peu, tu vois. Quand je fais... Si je fais comme ça, je vais sentir un petit peu quand même le relief. Parce que je viens de graver, il y a peut-être... un petit peu moins d'un millimètre, mais ça se sent quand même. Merci Ryan pour le follow. Bienvenue à toi. Comme les pièces sont déjà sèches, ça sèche super vite. Ouais, faut absolument que je rende ça plus liquide. Pour simplifier l'application. Bon, et alors là, l'autre merde, c'est que j'ai oublié mon iPad. Mais j'ai genre mon vieux téléphone pour les refs. Je sais pas si ça marche. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il va marcher? Il a zéro batterie. Ah mais ça va passer. Si. Bon, j'ai pas beaucoup de photos, mais ça fera le taf. Coucou Lapinou! Le lapin a encore bien mangé. Merci pour ton 8e mois. Comment tu vas? Oh, c'est tout petit. Merci pour le 8e mois. Est-ce que t'as passé un bon week-end? Zoom là! Et coucou Poule Piqué, comment ça va?
J'ai déjà des frissons, ça va être un super live. Oh non. Hop. Quel bonheur, déjà des frissons. Du gratte-gratte. Alors, si je me mets là. T'avais critiqué les minders, puis essayer de te racheter ensuite. ça taille, hein. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? La plume? Je vous jure que j'ai tout perdu, mes outils. J'ai plus rien. Elle est où, ma plume? C'est quoi, ça? Ah! Mais... C'est toi, toi? C'est quoi, ça? Je vais pas te mentir, j'ai eu un peu peur. Tu me fais peur? Ah! J'ai 100% panique. Oh, je suis désolée. C'est le river d'hier. Non, c'est mon iPhone qui s'est mis... C'est le vieil iPhone que j'ai récupéré qui s'est mis en mode localisé dans mon iPhone. Je sais pas pourquoi il fait ça. Oh, je suis désolée. J'entends plus rien. Oh mon Dieu, je suis désolée. Bonjour la co-balance. Oui, c'est moi qui ai balancé le lisbol. Oh, je suis désolée. Ça y est, il y a le feu. J'ai eu si peur. Oh, mais j'ai paniqué. Cherchez quoi? Cherchez un pic. Oh, je suis désolée pour vos oreilles. Oh, le bruit est horrible en plus. Quel enfer. Oh, je suis désolée, pardonnez-moi. Putain, j'ai perdu le petit, j'ai tout perdu. Ça va, vous êtes encore vivant? J'ai un iPhone volé. Mais c'est horrible comme sonnerie. Mais non. Coucou Balchouk. Pourquoi je saigne des oreilles? Oh, je suis désolée. J'aurais plus à me soucier d'entendre le gratte-gratte. Oh non! Je suis désolée. Oh, mais c'est un malade. Pourquoi il se lance en localisé? Mais on t'a rien demandé, toi. Alors, par contre, du coup, j'ai... Hop. Concentration. Ouais. Oh, quel enfer! Oh mon Dieu! Parce qu'on est des morts, il me dit quoi? Oh, merci, Lina Cadabra, pour le raid. Bonjour à toi. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Qu'est-ce que vous avez fait de beau aujourd'hui? Comment allez-vous? Bienvenue à vous. On commence tout juste, ça fait une heure, mais on commence tout juste, et on va décorer des bols aujourd'hui, voilà, bienvenue à vous, je suis potière. Attends, je peux faire, comme je suis pas loin du PC, je peux même faire un petit SO, Lekna-kata. Non, j'ai oublié un A, let's go. Quel streamer dans le carton je suis, quoi, comment ça, pourquoi? Bonjour à toi, j'espère que ça va bien. Coucou Maître Fraisier. Nous sommes Léna... Oh putain, c'est tellement dur à dire. Lénaka Brantesque. Bonjour à tous. Comment vous allez? Qu'est-ce que vous avez fait ce matin? Et bienvenue à vous. On va faire des décors. Je viens de tuer tout le monde avec un vieux téléphone qui s'est mis en mode alerte. Je sais pas pourquoi. Illustration d'Halloween. Oh, c'est trop cool. Merci Tania pour l'hydratation. C'est trop bien. Mais j'aime beaucoup ton travail en plus. J'aime beaucoup ton travail. J'aime beaucoup ce que tu fais. Oh, j'ai de la terre partout. Je suis un peu dans... Je sais pas ce que je fais. On va pas se le cacher. Ah. J'ai l'impression de réapprendre à vivre aujourd'hui. Et c'est pas ça. Je suis fatiguée. Oh, mais non! Ah, mais si! Merci Bractosaur pour le follow. Merci beaucoup. Super gentil, merci beaucoup. Mais oui, vraiment, j'aime beaucoup. Je trouve ça très très chouette. Mais je t'ai découvert chez Ava. Et derrière moi, la petite voix que vous entendez, qui est en train de péter un câble, c'est Seven, qui est potière. Et vous pouvez checker son Instagram, elle va sortir sa première collection dans précisément 5 jours. Dans 5 jours, elle va sortir ça. Oui, bah oui, j'ai vu qu'il y avait une alerte au téléphone de des morts. Le bon vieux Febreze. Non, c'est un... Hihi. Pardon. C'est le petit pchit. Le petit pchit pour garder toutes les pièces hydratées et pour calmer tout le monde aussi.
Seven qui fait du raffut, bah pas autant que mes pièces. Merci pour ton follow, c'est trop gentil. Mais oui, félicitations à Seven, mais oui, j'ai trop hâte. Du coup, pour acheter toute la collection née, et va y avoir plein d'autres choses aussi. Même sur son site, il y a déjà une petite preview de ce que vous pourrez trouver. Donc c'est trop bien. Et moi, faut que je clique sur publier aussi. Mais ça, j'ai un peu peur. Drum, elle est pas là, laisse-la tranquille, la pinou. Bon, alors du coup, il faut gratter. Donc là, ce que j'ai fait, en gros, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va décorer toutes ces pièces, toutes les pièces de cette nouvelle collection, qui sont grises, comme ça. Mon assiette est dégueulasse. Qui sont hop, comme ça. Et on vient de poser de l'engobe, du coup c'est de la terre, qui est de cette couleur-là. Et là, je vais graver des montagnes dedans pour que ça ressorte. Pour que ça ressemble au niveau du design à peu près dans cette vibe là. Donc il y a des bols, il y a des assiettes, il va y avoir des tasses, mais on va pas pouvoir tout faire aujourd'hui, on va déjà commencer par ça. Tant qu'il n'y a pas d'excuses, nous ne devons pas acheter ces Seven. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Ça, c'est parce que... C'est parce que j'avais dit que je les aimais pas. Oui, c'est parce que t'as dit que tu les aimais pas. Oh! La clé. Enfin, elle s'excuse qu'auprès de Lapinou, après elle a oublié un X. Parce que c'est Lapinou qui l'a mal pris. Oui. Oh là là, je vais mettre le X en rose. Et les autres? Oh là là, je suis désolée, C'était pour du rire, je vous aime bien, rire. C'est bon, il lève le veto, c'est bon. C'est bon, tu vas pouvoir gagner de la thune. On est sauvés. Le blocus Seven Pot est terminé. Moi j'aime bien Seven, même si elle nous déteste. Quel enfer. Attends, pourquoi Zorian il s'est pris une balle perdue? Zorian, tu t'es pris une balle perdue? J'espère pas. J'arrose Drum, il fait chaud, il faut la refroidir. Oui, je vous en mets plein la tête avec de l'eau, évidemment. Du coup, Lapinou, t'as intérêt... Ouais, absolument, Lapinou. Hein. Attention. Hein. Pour acheter les nez, là, il n'y en aura pas pour tout le monde, évidemment, bien sûr. Et évidemment... C'est pas totalement faux. Hein. C'est pas totalement faux. Hein. Mais pourquoi tu fais que freeze, toi, le téléphone, là? Ça m'énerve, là. Oh. Bon, du coup, là, le challenge, c'est de rien casser. Mais... Ouais, par contre, on est d'accord, ça fait que freeze. Ok, bon j'espère que c'est de retour. Ça me saoule. Généralement, des fois, il y a un ou deux frises, mais pas autant. On a perdu la cam principale. Là, c'est bon, non? Ouais, ça lag. Généralement, il y a quelques frises, mais pas... Enfin, pas des masses. Parce que, là, en gros, la cam là, qui filme mes mains, c'est mon téléphone. C'est ok. Ok, bon, j'espère que ça va pas faire ça trop souvent. Parce que c'est un peu emmerdant. Mais... C'est tellement rigolo d'avoir un peu de souffrance dans mes oreilles aussi avec Seven derrière. Il y a une petite touche de genre je suis désolée, je comprends ce que tu ressens et je préfère en rire qu'en pleurer parce que ça me rappelle de trop mauvais souvenirs. J'irai faire mon œuvre. Et oui, attendez, faut que je change. Va falloir que je mette dans la commande. Le 7pots.co pour aller claquer la thune. Hop. Hop. Bon, on va un peu inventer parce que c'est tellement fin. Vous voyez pas grand chose, hein. Ah non, frise pas. Tu frises là, je te vois frise. Je te vois laguer. Non, non, ne tourne tout ça. Okay. T'as rien compris, frère. Là, t'as du mal, là. Hein? Reviens. Bon. Faut pas que je le touche, peut-être que ça va mieux. Hop. Bon, j'espère que vous arrivez à voir quoi, un truc au moins. Hop, on va faire ça un peu. De toute façon, l'avantage de cette technique, du coup, c'est que... Enfin, c'est pas forcément juste suggérer les montagnes, mais... C'est dans un peu moins de détails que quand je les dessine.
Laos Graffito, et puis justement dans cette collection, je veux pas forcément avoir des montagnes reconnaissables ou des choses comme ça. L'intérêt, il est plus sur la forme que sur le dessin. Ne nous lâche pas! Ah non, tu tiens bon, s'il te plaît, hein. On a besoin de toi. Je crois que même le matos, il est un peu fatigué. Je sais pas ce qu'il a fait ce week-end, mais. Pas une autre cam qui lâche. Ah non. Non, non, non. Mais je regarderai, je prendrai un boîtier un jour. Pour remplacer déjà, parce que c'est quand même pratique de garder mon téléphone. Mais le problème, c'est que comme ça m'a trop habitué, j'éprouve les excuses. T'as fait un screen ou un clip? Comme ça m'a. J'ai tellement apprécié le visu de mon Canon que, en vrai, si je change, j'aimerais changer pour un bon truc, quoi. Et j'aimerais pouvoir réutiliser les objectifs que j'ai Canon. Pas forcément sur un boîtier Canon, mais du coup. La cam Elgato, elle est pas mal. Ah ouais? Mais je me dis, je peux prendre un boîtier hybride qui est bien pour la vidéo, mais enfin, pas un boîtier hybride à 2500 balles. Mais du coup, ce sera pas de suite. Peut-être à Noël, je m'offrirai un cadeau. Peut-être quand j'aurai fini les comptes de l'année à Noël, je serai en mode allez, ou alors non. Ça, on verra. Mais ce serait cool. Petit Sony d'occasion. Ouais, il y a des Sony qui sont. Je sais pas si c'est pas. Je crois que c'est Ava qui m'avait conseillé. Et je crois qu'elle m'avait dit un truc et je crois que je l'ai noté. Mais avec un adaptateur, justement, c'est pas mal. Le souci d'un boîtier, c'est la poussière, oui, c'est vrai. Mais j'en prendrai soin, j'essayerai. J'en prendrai pas soin. Mais l'image, c'est tellement mieux. Enfin. En fait, pour ce que je fais, j'ai trop envie de pouvoir vous proposer une belle image. Parce que c'est agréable à regarder visuellement. Ma tête, une webcam, c'est très bien parce qu'en vrai, on s'en fout. Mais possiblement moi aussi. Conseiller, oui, peut-être. Je crois qu'il y a peut-être trois ou deux. Sauf si tu le laisses à l'atelier. Ouais. Oui, mais après, je sais que là, mon Canon, c'est pas la poussière qui le posait problème. Hein. Du coup, c'est plus un boîtier qui est. Enfin, il faudrait un boîtier qui est plus adapté pour la vidéo. Coucou Beamer, comment tu vas? Bonjour Zélibellule. Des boîtiers tropicalisés, souvent des boîtiers chers et pas beaucoup de choix, oui. Ce que j'ai trop peur avec cette technique, c'est de passer à travers. Genre, à la fin, tu passes à travers. T'as envie de crever. C'est pas mal, non? Vous en pensez quoi? Surtout que ça va être vachement plus sombre. Tu me saoules la cam à lac comme ça. Ça m'énerve. Ça va être vachement plus sombre, plus contrasté. Ça devrait être chouette, hein? Malgré les fatigues et le vide après les events, tu m'étonnes. Vous ressentez tous un. Moi, j'ai jamais trop ressenti ça, mais vous ressentez tous l'espèce de vide post-event? C'est que c'est toujours bizarre quand les caméras s'arrêtent, quand tout se coupe à un moment. Mais c'est vrai que je l'ai jamais trop eu. Enfin, genre, ça coupe et puis ensuite je reviens à mes trucs parce qu'en fait j'ai trop de trucs à faire. Merci Princesse Mononoké. Ah, c'est gentil ça tourne. Je suis en plein dilemme, j'adore te voir gratter les petits pots, mais le bruit m'hérisse le poil. Est-ce que je vais m'y habituer? Oh, je sais pas, je pense qu'il y en a qui s'y habituent. Mute-moi, tu mets de la musique dessus. On s'en fout de ce que je raconte, de toute façon, je dis rien d'intéressant. Pas trop, tu t'y es pas habitué? Ah non, pas trop d'angoisse post-event, enfin de petit vide post-event. Pas trop, parce qu'on était en vocal. Oui, c'est vrai, mais je crois que je l'ai jamais trop eu. Ah, pour ça. Mathieu de rire cette année avec sa planète. Oh, ça m'a terminé aussi. C'est tout doux. Il y aurait moyen d'en faire qui reste dans ces tons-là. Parce que Grichot et Crème ensemble, c'est canon aussi. Oui, mais en fait, c'est le truc aussi. Autre chose, c'est que là, j'ai fait mon test.
J'ai fait cette assiette. Merci beaucoup, Ménica Folden, pour ton follow. Bienvenue. J'ai fait cette assiette test. Ça me stresse, là, qu'elle soit dégueulasse comme ça. Elle est toujours aussi chum, mais... J'ai fait cette assiette test pour pouvoir déterminer d'un rendu. Parce que sinon, c'est beaucoup... C'est beaucoup de travail de faire plusieurs rendus différents d'une même pièce pour dans une même collection. En fait, ça fait une deuxième collection complète. Et autant pour les tasses, je veux bien proposer plusieurs rendus. Mais je pense que les plusieurs rendus, je vais quand même rester en fait sur le 50-50. Ce sera plus simple en fait à travailler. Peut-être que je ferai pas de porcelaine, je ferai le 50-50. Mais je garderai quand même l'option glossy, satiné et brut. Mais sinon, théoriquement, oui, ça peut se faire. Oui, oui, bien sûr. Théoriquement, tu peux tout faire. En vrai, théoriquement, tu peux tout faire. Il y a juste plus ou moins de tests, mais tu peux vraiment... Enfin, c'est ce qui est magique avec la céramique, c'est que... Tu vas peut-être en chier pour trouver comment faire, mais tu peux le faire. C'est magique, absolument. Mais ouais, pour les tasses, je pense que je vais garder les trois rendus, mais c'est vrai que je vais peut-être rester... Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Je vais peut-être rester sur... Juste une couleur dans gobe. Parce que c'est plus simple. En tout cas, si ça rend bien, je me dis ce sera plus simple à gérer aussi. Au niveau du stock, au niveau de refaire. Ça fait pas 250 fiches produits pour la même pièce. Les bols, ils ont un peu de chamotte, certains. Là, déjà, en vrai, sur les pièces, il y aura des pièces qui seront un peu chamotées et d'autres qui seront lisses. Et je sais pas, je verrai si je les liste différemment ou non. Parce que je sais que peut-être qu'il y a certaines personnes qui aimeraient moins. Donc, on n'a pas envie d'avoir des pièces chamotées. Ah, t'as regardé? Et alors? J'ai pas regardé, hein. T'as regardé à 3h du mat? Non, t'as pas fait ça. Non, Touk, t'as fait ça, c'est sûr t'as fait ça. C'est sûr t'as regardé à 3h du matin. Putain, et j'ai pas regardé les anneaux de pouvoir. T'as regardé les anneaux de pouvoir de troisième épisode? Non. Je crois que ce soir ça va être ça, en me levant ce matin. Ok, ça va. Il est pas si fou. Je crois que ce soir ça va être... Il est... oui, le matin à midi, ouais. Ça va être Lord of the Rings et Game of Thrones. Parce que là, du coup, pas pu regarder l'épisode, hein. Je travaillais, hein. Je me suis endormie à 5h à pas savoir quoi faire. Oh, c'est vrai. Merci Ryanak pour le follow. Merci beaucoup. C'est pas mal, non? J'aime bien. Je suis content, j'aime bien ces pièces. Je les trouve agréables à tenir. Ce soir, débrief. Ok, faut que je regarde. Hein. Je le regarde et ensuite je te dis. Je le regarde et ensuite je fais touc ! N'importe quoi ! Ou alors c'est une dinguerie. Alors, ah, il y a le petit vase. Petit vase. En fait, c'est pas mal. Si j'attends un peu, la terre, elle vient se poser au fond et j'aurai juste à pas boire le fond de la tasse. Astuce. Les events m'a tout pris ce week-end. J'ai presque pas vu que la Queen Elizabeth II était morte. Mais alors moi, je sais pas. Genre, je l'ai pas vu ou je l'ai vu, je sais pas, peut-être 24 heures après. J'étais en mode, mais what, c'est quoi ces blagues et tout? C'est vrai? Comment ça, j'ai pas entendu parler? Et si, putain. J'avais pas... Vraiment, je comprenais pas, je pensais que c'était une blague. Elle est pas décédée, j'aurais su. Bah non. Elle est immuable. Elle est increvable. Et si. Ça me fait rigoler tous les gens qui sont en mode Drucker a gagné la course. J'adore les coulisses Seven et l'OTAM sur les stories de Seven, c'est vrai. Les quoi? Les coulisses. Ah. Nos coulisses à nous. On est rigolotes. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Un petit diaporama, tu fais un diapo du coup? I am trying, but...
Tu rajoutes quoi dessus? Parce qu'elle était pas mal ton ta page d'accueil. Bah en fait c'est juste que j'ai changé la boutique par un diapo. Parce que je trouvais ça moche en fait, la façon dont c'était fait la boutique et tous les trucs pour personnaliser, il n'y avait rien qui me plaisait. Du coup en fait j'essaye de la refaire moi-même plus ou moins. Attends, toute ta boutique elle est sur un diapo? Tous les articles? Non, sur la page d'accueil. Ah quand même. Elle est bien cette photo? Oui, mais c'est qu'en fait justement tu sais moi je veux pouvoir présenter les trucs par collection et la boutique tu peux pas le faire de façon jolie. Enfin le truc que tu mets sur la page d'accueil tu peux pas le faire de façon jolie, ça te fait juste une ligne de ce qui a marqué Lucien, 22 nignes, 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 nignes. Et tu peux pas le faire joli, du coup je trouve ça nul. Moi je veux que ça soit joli. Oui, oui, les collections. Oui, ah bah oui, du coup, non, mais je comprends, oui, c'est ce que j'ai mis sur la page, là. J'étais en live ici quand je l'ai appris, mais j'ai pas osé parler dans le chat. C'est vrai? Moi, j'avoue, enfin, j'en suis assez détachée, c'est pas un proche, ça m'a pas... C'est pas une grande pote, quoi. Ouais, ça m'a pas marqué. Je pense que c'est différent, je pense que si t'es au Royaume-Uni, c'était pas forcément la même chose, quoi. Soir du vendredi, c'était très étrange, j'ai vu... Full F dans le chat du concert, jouer un jeu de combat et là je vois Twitter s'enflammer sur fond de concert, rien de plus lunaire. Non mais oui, trop bizarre. Putain, la reine mère est morte, quoi? Il y a quelqu'un qui a gueulé ça? What the fuck? Ça fait gna gna gna. Ouais, c'est comme ça qu'on communique, nos beamers. On parle en mestefele. C'est le mestefele ou à peu près pareil, mais ça marche, hein, en vrai on se comprend. Hein. L'important, il n'est pas dans les mots utilisés, mais dans l'intonation. Mmh. Et l'intonation... Mais tu commences à me saouler, toi. Ah, frise comme ça, là. Oh, ça me termine. Ouais. Tu veux quoi, là? Tu veux qu'on se batte? Vas-y, je vais te défoncer, là. Vas-y, viens. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, je fais ce que je fais. Pour des internets, en plus, je me fais engueuler. Gna gna gna. J'ai trop d'armes. La vie, c'est nul, ok. À un moment, je vais avoir Seven. Elle va s'allonger par terre. Je vais pas comprendre. J'étais super calme depuis ce matin malgré tout ce qui arrivait. De quoi? Alors que je suis étrangement restée super calme depuis ce matin malgré tout ce qui arrivait. Alors qu'à la maison, c'est pas la même chose. S'il y a un truc qui marche pas, parce que tu l'as pas vu et je te l'ai pas dit. Mais il y a un moment, mon ordi était en PLS. Hein, et il était lent. Et dès que, tu sais, j'essayais de mettre un truc un peu plus haut ou un peu plus loin, et ben ça frisait et ça laguait de ouf, et du coup ça marchait pas. Et tu sais, c'est ce moment où t'es obligé de prendre des grandes inspirations et des grandes expirations, parce que sinon tu vas éclater quelque chose. Est-ce que t'as eu un bug sur Wix? Moi je l'ai tout le temps. Ou quand je veux draguer un truc, il m'emmène tout en haut de la page. Oui. Et là aussi t'es comme... T'es en train de faire le pied de page, il y a 2500 trucs entre toi et le haut. Et il t'emmène tout en haut et du coup t'es en mode CTRL-Z. Je bouge un peu, ouais, un peu vers le sud. Tu t'arrêtes parce que comme ça save à cet endroit là. Tu rebouges, ça remonte tout en haut. CTRL-Z. T'as envie de tout casser. Wix me rend ouf. Oh, mes paumes, t'as eu ce bug aussi où ça drague n'importe où et toi t'es en mode je vais tout péter. Je vais tout péter comme les freezes actuellement. Un match de catch, l'Odem Fit 7, en vrai. Le problème, c'est qu'on se ferait, on se ferait mal. Oui. Mais pas on se ferait mal l'une à l'autre, on se ferait mal toute seule. Ma mère, prof d'anglais, s'est ruée sur le téléphone pour appeler ses collègues, tu m'étonnes. Le site du What et Artlix, c'est sur Wix. J'ai envie de tout péter. Oh, putain, bon courage. Bah du coup, moi c'est pareil, mon site c'est sur Wix. Seven, elle le fait sur Wix. Et on a envie de tout péter, quoi. On a envie de tout casser. On a envie de tout démonter. Mais des fois, il y a des bugs, c'est horrible. J'aurais ça pour ce match de catch. C'est bon, pas de catch. Franchement, non, on se blesserait, on n'arriverait plus à faire de la poterie. Moi, c'est l'autre problème aussi, c'est que genre, je peux pas. J'ai trop peur de faire des bêtises parce que j'ai trop peur de me blesser. Avant, j'avais moins cette peur-là. Mais là, je suis en mode, ok, je peux à la limite me blesser un petit peu la jambe gauche. C'est pas trop grave. Mais si je me blesse autre chose, je suis dans la merde. Coucou Averse, comment ça va? Je pense que ouais, Necron, on arriverait à se blesser juste en montant sur le ring. On n'aurait pas commencé... Moi, enfin, Seven peut-être pas, mais moi j'aurais pas commencé le fight que je serais déjà blessée. Non, non, non. Moi je te demande.
En vrai, quand tu veux. Vous avez rien entendu, hein? Non. Non, ils ont rien entendu. Ils ont entendu quoi? Rien. Les secondes, stop le gratte-gratte, on passe sur le catch! En vrai, un catch dans la terre en plus. Meuf, t'ouvres ta boutique de suite, hein, parce qu'on sold out, hein. De faire ça. Combat de boue. Claquage du grand dorsal au moment de monter sur le ring, c'est exactement moi ça en fait. Chauffe. À quand le stream duo, le pot le plus drôle avec Seven? Attends quoi? Le pot le plus drôle? Genre faut qu'on fasse le pot le plus rigolo? Genre nos pots ils sont pas déjà drôles. Genre nos pots ils sont nuls, c'est ça que t'es en train de dire? Super, non mais voilà, tu vois, moi je me suis excusée. Putain, pour... super. Et... voilà. Oh, après tu t'es excusée auprès de la Pinou mais pas auprès de Beamer. T'as marqué les autres après. Oui, mais sauf un. C'est autre que je m'excusais après tout le monde. Ouais, c'est ça, putain. Ils t'ont ils t'ont eu, hein. Ils t'ont eu, hein. Non. Regarde, ils recommencent. Ouh, je suis tout niqué. Vas-y, tape-le, vas-y, fume-le là. Vas-y. C'est bon. Là, vas-y, tords les poings. C'est bon. C'est quoi le site internet? Ça sera bien. Merci. L'odème c'est une cata dès qu'elle bouge, on a l'impression qu'elle va se briser tous les os. Non mais alors par contre, hier c'est le cas. C'est le cas, mais hier je suis montée sur un petit muret. Enfin j'ai pas réussi à monter mais genre j'ai essayé de voir si j'arrivais à tenir comme ça. J'ai essayé 3 fois, la 3e fois j'ai réussi, mais du coup j'ai mal au poignet depuis. Yay. J'étais en mode ah j'ai réussi. J'ai mal. Et du coup je me suis fait mal au poignet. Je suis abattue. Y'a rien dans la boutique, elle a pas fini, du coup ce sera pas forcément sold out. Ouais, mais si on fait un combat debout, on met la boutique, même si elle est un peu cassée, faut juste que ce soit... Sympa. Si, j'ai réussi toute seule, bébère, toute seule. Ils sont trop bien, mais encore plus drôles. Repoussez ses limites. Qu'est-ce qui se passe derrière? Seven, elle est en train de bosser sur son site. Elle en a ras le cul, apparemment. Non, je te jure, bébère. Quoi? Non, là t'es juste fatiguée là. Non, t'es juste fatiguée. Non, en vrai. Oui, bah oui, non, mais vas-y, mais fais un effort. C'est pas ça que je veux qu'il ressorte mon site. Elle a délaissé le site, non. Je pensais que ça allait vraiment. Attends. Trop bien rendre et tout. Alors, attendez. Que j'essaye de chercher son écran. Vas-y, monte ton écran. Oh. Voilà, et du coup, elle rigole. Attends, on a un reflet. Là, elle rigole. Elle bah, rigole très fort. Là, elle est au bout de sa vie, là. Mais parce que je veux pas que mon site internet ait une grosse bite dessus. Voilà. Voilà, on est sur ce niveau de fatigue. Hein. J'ai pas dormi. J'ai pas dormi. Pleure pas! C'est quoi cette casserole? Elle est au bout de sa vie. Du coup, en gros, Léna, oui, en fait, moi je suis dans cet atelier depuis 1 an et demi maintenant. Et avec Seven, on se connaît depuis le lycée, on a fait le lycée ensemble. Et il y a. Et ben, il y a 1 an et demi. Non, 1 an et demi. Un an. Il y a un an, elle a commencé un CAP céramique, un CAP poterie, du coup pour devenir potière. Et du coup là, quand elle s'est, quand elle a fini sa formation, j'ai réaménagé tout l'atelier et tout pour pouvoir faire une place pour Seven pour partager l'atelier avec elle. Mais du coup ouais, je loue l'espace. Dors au lieu de dessiner des chibres, on me dit. C'est pas gentil. Oui, du coup, c'est coloc de potière. Et on supporte depuis quelques années, et du coup, maintenant un peu plus. Parce qu'on peut, hein. Allez, prie. Quand que Seven se met au stream, je crois que... Non. Elle est un peu... Elle est un peu déjà en stream, hein, finalement. Je vais tout casser ou il s'est répandu. Tu disais pas peut-être tu ferais des vidéos un jour? Peut-être.
Si, peut-être sur YouTube. Peut-être des vidéos YouTube. Faut que j'aille à la dessert, quoi. Elle fait du stream vocal. Déjà, va falloir me laisser faire mon site. Ouais, déjà, faut qu'elle après, fasse son site. On verra voilà, ce qui se passera dans le futur. Pour l'instant, le futur, il est pas prêt d'être là. Mais du coup, moi, je fais les streams de l'atelier et Seven, peut-être qu'un jour, elle fera les vlogs de l'atelier. C'est ça. Colloque de Poitiers. Oh putain. De Poitiers. Ouais. Ouais, c'était ça la blague. Fais du stream vocal, exactement. Ouais, c'est un peu le combo. Il y a pas un petit coin pour faire la sieste dans cet atelier, qu'elle recharge un peu les batteries. Non, je crois qu'elle a besoin. Il faut qu'elle le fasse et qu'elle s'en débarrasse. Il faut qu'elle s'en débarrasse. Mais c'est très bien en plus ce qu'elle a fait. Il est très chou son site, j'aime beaucoup personnellement. Elle va le casser, mais là, c'est beau. L'avantage, c'est que tu peux retourner aux versions précédentes. Faut qu'elle recrute un webmaster. Ouais, alors... si t'en... avec un grand plaisir. Si t'en connais un qui fait ça bénévolement, ça. En vrai, on y va. Elle pourra fouetter quelqu'un pour se détendre. Une couverture des actus de l'atelier 24h sur 24. Et en vrai, c'est déjà pas mal, hein. Entre le stream, Insta et tout... Parce que moi je spam sur Insta et Seven aussi parfois. Bon là actuellement c'est plus le site donc il y a moins d'Insta mais sinon... Bon il y en a plus que depuis les vacances. Oui voilà, vous l'avez vu quand on faisait les photos, ça spam un peu parce qu'on avait toutes les deux envie de mourir. Coucou Aurélise, comment tu vas? Comme tu fais avec elle. Oh, je fouette pas Seven. Mais le pinou, qu'est-ce que tu dis? Il y a zéro quoi ? Un 10, personne ne le sait. Ça se trouve, tu me fouettes, personne ne le saura. Tu me mens, je fouette pas. Je t'ai jamais fouetté ! Mais non ! Je te fais des câlins ! Mais toi aussi, va te coucher ! Je t'ai insulté un peu, mais t'es tout ! Bon voilà ! Il y a un canapé en céramique dans l'atelier pour faire des siestes. Oui, bah ça va, on va pas commencer à foutre un canapé dans l'atelier, hein. Moi je. Oh, je vais s'en sortir, on va jamais bosser. Déjà qu'il n'y a pas de canapé, et bon, le matin, des fois, c'est difficile. Non. Allez! Ça va bien, Aurélie, merci beaucoup. Allez! Vas-y! Vas-y, montre-lui c'est qui le patron! Mais quoi? Le chill, hein. Mais chill, chill de quoi? Chill, là, chill. Putain, plomb! Tu me diras, là, moi, je dessine pour procrastiner le fait et reculer le moment où je vais devoir mettre mon site en ligne. Eh, c'est ma création de site. Ah non, Bimmer, non. Non. Il faut un petit café, un massage. C'est vrai, tu veux un petit café? Oh ouais. On va faire un café assez bon. On va lancer le... J'ai lancé le petit café. On va lui faire un petit café, ouais. On va lui faire un petit café. Tu veux un petit massage? Non. Je pense que si je m'approche pour lui faire un massage, je me fais taper. Elle me démonte. Utilisez quoi comme site? On est sur Wix toutes les deux. Et c'est nul. Non, c'est pas vrai, en vrai, c'est grave. J'en peux plus. C'est adapté à nos compétences, c'est-à-dire... voilà. Voilà. On sait pas... Y'a un trou? Non, pas de trou. Waouh. C'est beau? Boif. Tout ça pour un boif. Merci Firewall pour le café. Attends, je vais prendre du thé, j'ai pas de café aujourd'hui, j'ai du thé avec de la terre dedans. Where are you? Ok, attendez. Ça s'appelle un smecta. Oui. Peut-être. Allez, un petit peu. Ah. J'ai pété un plomb. Il y a eu une erreur. Alors, un petit café pour Seven. Tu veux un peu de lait peut-être dans le café? Ouais. Petit lait, ouais, petit lait. La fille, elle est déjà un peu amère. Oui. La fille est déjà trop amère, oui, t'as raison. Je fasse pipi en plus. Il faut que je réfléchisse là. Si ça a pas sauvegardé, je vais tout casser. T'inquiète, ça se perd. Est-ce que si je vais faire pipi, vous voulez quand même que je vous garde la SMR 7? Non, on va lui laisser un moment de pause. Attendez, je lui amène le café et je vais faire pipi. J'aurais pas dû prendre de thé, putain, le thé ça fait pisser. J'ai un gros bout pour la.
ça, mon cœur. Merci. Petit café. Je vais lire un peu après, hein. Faut trop que j'aille faire pipi, faut pas que je prenne de thé. La prochaine fois que je dis que je prends un thé, dites-moi non. C'est la roue libre aujourd'hui, hein. Petite tisane plutôt. Non, un café, un café. C'est un café qu'il Est-ce faut. Est-ce que ça a sauvegardé? Un long serré histoire que le PC s'envole. Non. Un peu de poudre dans le café. Tu veux un petit bonbon de ma grand-mère? Non, c'est bon, ça va sauvegarder, c'est bon. Tout va bien, on va casser. Aïe, aïe, aïe. J'arrive de suite, je vais faire pipi. Putain, j'aurais pas dû prendre de thé. Et j'arrive, on continue de travailler. Vraiment, en une heure et demie, j'ai même pas fini un pot. J'arrive tout de suite. Ouais, pour aider un peu à dormir, là, Pinou. Des panneaux messages de qualité, vous avez vu ça? Se pose pipi, là. Là, ça nulle part ailleurs. Heureusement. Mais non, mais pas... Hop! Parfait. On continue ça. Mais... Hop. J'ai mangé un croc du sandwich. Ah, mon fils, ma bataille, il fallait pas qu'il s'en aille. Ok, on y est presque. Ensuite, je vais diluer un peu. Et je vais publier mon site. Ah mon fils, ma bataille, fallait pas qu'il s'en aille. Oh, 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 je vais tout casser. C'est pas mal ça. Non, il y a un truc ici. Il manque ici là. Hop. On est bien là. C'est pas mal hein, comme vase. Hein.
Ouais. Ouais, c'est pas mal. Hein. Je pense que ça, j'aimerais bien en mode piché. D'ailleurs, faut que je gratte ici. C'est pas genre. Eh, pas mal, non? Oh putain. Sur une tête dans un dessin. Oh, c'est le pire. C'est quoi comme dessin? Tu sais qu'ils sont trop beaux, la tarsier, les derniers que t'as mis avec les osios. Ils sont absolument... Ils sont sublimes. J'adore. J'aime beaucoup, beaucoup. Oh, et ma brique, elle est en trop bon état. On part pas. Va falloir le décorer aussi. Ok, ça c'est bon. Du coup, on va les mettre où? On va vider ça. Mais je suis stupide en fait, stupide. J'aurais pas osé quand même. Hein. Si, si, bah tu peux oser. Hop. Bouffonne. Sois gentil avec toi-même. Ok. Ah ouais, ça marche mieux là tout de suite. Putain. Ah mais quel cassos. C'est pas du tout le même thème, mais je dis pas ça sinon ça me porte l'œil. En tout cas, j'ai hâte de voir alors. Alors, j'ai dit que je mettais en ligne le site. C'est joli. Je suis contente. C'est joli, ok. Je l'ai dit, c'était joli. On a dit on faisait ça. Est-ce que afficher ou... Vas-y Seven, tu peux le faire. Yes I can. Yes you can. En effet, je crois que vous avez raison. Je me rapproche de plus en plus du but. Sauf que là, tu vois, je viens de faire ma deuxième page du diapo que je trouve très jolie et du coup, j'aime plus du tout la première. Hein. Ah, ça, c'est le problème. J'ai peur de cliquer sur publier. What if il y a un problème, il y a des liens, ils marchent pas et tout. Oh, par contre, alors non, tu vas cliquer sur publier, moi je te le dis, sinon les choses elles vont pas. Hein. Je vais me faire taper en plus. Non, mais par contre, j'oserais pas te taper, hein, si je peux me permettre. Je suis pas ce genre de meuf. Par contre. Oh putain, j'ai trop peur. Ouais, lolo. Tu sais que je suis sur ton site. Moi, je le trouve très beau ton site. C'est vrai? Oui. T'aimes bien? Je sais que je l'ai jamais enlevé de cet ordinateur. Oh. Et que je vais aussi faire des. Je m'en inspire de temps en temps. Elle me vole mon site, vous entendez? C'est pas vrai! Je valide ce que dit la phrase sur ton t-shirt. My mom says I'm cute. Bon. J'ai cliqué. Maintenant, je vais faire mon travail. Let's go. Elle fait du plagiat, vous avez entendu, hein. Vous êtes témoin. Hein. Vous êtes témoin. C'est pas plagié. Mettez sur le site test. C'est bon, casse-lui la gueule pour oublier. C'est bon, j'ai publié. Maintenant, je vais faire le travail. On va... Ah non, faut que je le dilue. On a dit qu'il fallait diluer. J'aime trop les ronds. Les quoi? Les ronds. Les ronds. Ah oui, t'aimes bien les ronds. J'adore les ronds. Elle a tellement d'énergie. Elle est parfaite, hein, cette femme. Hein. Moi aussi, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup, même. Non, mais c'est grave beau, là. Je suis contente. Si t'as mis des ronds. J'ai cru que j'allais jamais y arriver. La compétition entre artistes, ça dégoûte. Mais oui, elle me vole tout. Mais trop pas, je m'en inspire parce qu'il est grave cool. Non, mais elle a volé mon métier. Tout, mais... Je l'ai invitée chez moi. Elle a tourné pendant 2 heures. Et après, elle m'a dit, oh, je veux faire potière. Je l'aime bien. C'est bon. Non mais elle m'a tout volé. Genre quand elle a bu toutes les bouteilles de vin. Ouais, elle aime bien être ronde. Ah ça. Ouais, ça aussi. Elle est ronde comme ça là. Mais en vrai, tu vois, on est vraiment exactement comme un vieux couple. Oui. On est pareil. Si vous touchez à mon fils.
toute ma bataille, pas. Son elle voit des clients éclatés. C'est la pute, mais il se moque de moi. De mes clients éclatés. Ils sont pas éclatés, mes clients, j'ai dit. Je suis revenue sur mes paroles. Ok. On va remettre un peu pour la bougie. Mais là, déjà, on est mieux. Pas lire, pas lire. Va faire du contenu sur internet. Ouais, t'as vu? Tu peux en d'autres couleurs avec la couleur de fond des photos. Je sais même plus de quoi tu parles, Stark. Genre, j'ai mal au cœur. J'ai envie de vomir. Je suis trop stressée. Collection avec un C. Je sais pas si je l'aime. Ensuite. Oui. Moi, je l'aime bien. C'est gentil. L'aîné. Terminé. On va faire ça. On va faire une assiette et un bol, là. Attendez, je vais vous rebouger par là. Par contre, tu vas. Mais Asun, à quel point ils sont éclatés. C'est non. CTRL U qui fait. Non. Alors, hop. C'est que je peux pas faire ça. On se retourne là. On revient. Tiens, tu vois rien. Juste regarder la page de contact. Oui, absolument. La page de contact, c'est la meilleure page. Hein. Oh, si on met de dessus. OMG, attendez, on va faire un plan. C'est pas vraiment dessus, mais on va tester. Il y a moyen, je mets ma tête devant. Ah, attendez, déjà, je passe Hello. Devant. Toucher à mon fils. On enlève la cam. Hop. Ok. Le seau. Et on va faire un bol et une assiette. Vous êtes chaud? Je crois qu'il y avait de l'eau sur mon. Et ben ça sera archi. On va zoomer plus. C'est lui le gagnant. Let's go. Bon, c'est bon, j'ai mis le site en ligne et en plus il y a des nouveaux pots dessus. Archibald, c'est lui qui gagne. Archibald, il est trop génial. Ok. Un petit peu plus haut. Allez plus haut. Allez plus haut. Oh. J'espère que tous les liens marchent. Et qu'il fait pas de dinguerie parce que Wix c'est pas responsive. Et ça c'est de la merde. C'est pas assez liquide encore! C'est juste moi qui l'applique pas bien. S'il te plaît. Vas-y, s'il te plaît. Mais pourquoi? On barbouille un peu, on fait genre, et on relisse. C'est beau, non? Oh, en vrai, j'aime bien. Ouais, moi aussi. Vas-y, elle se donne, la zouzin. Alors que celui d'avant, du coup, je le trouve moins ouf. Il est meh, tu vois. Il est meh. Ça manque de trucs, c'est bizarre, la zone bleue. Ou des infos, peut-être. Ouais, mais je sais pas quoi dire sur cette collection. Ah bah ouais, voilà, on peut pas tout faire. Hop! On a fait un pot. En fait, vous voyez rien. Mais là, pour l'assiette, vous verrez mieux, je pense. Vas-y, assiette. Je suis désolée, je vois pas ce que vous dites, du coup, je verrai en revenant sur le bureau. Alors, il y a Choco qui dit je dois filer à plus ses potes. Ça, tu l'as vu, non? Non. Non, mais t'inquiète, je vais voir. Je vais tout te dire. Ok, Seven fait le chat. Il y a Tarsier qui dit au comment c'est bugué. Au comment c'est bugué? Ouais. Jerry, ça a l'air de bien fonctionner, plus c'est beau. Attends, c'est quoi qui est bugué? Je sais pas. Tarsier, c'est quoi qui est bugué? Ouais, mais j'ai Tarsier, me fait pas pleurer. Je viens de rallumer le chat après, donc peut-être que. Tarsier, je peux pleurer. Hein. Ah, j'ai pas tout lu. On m'a dit que j'ai pas tout lu. Bah, qu'est-ce qu'il manque? Il manque le moment où Tarsier a dit que c'est une blague? Mais oui, il a dit je ris, ça a l'air de bien fonctionner, plus c'est beau, c'est ce que j'ai rajouté après. Mais je pensais que c'était quelqu'un d'autre. C'est fou. Ouais, mais t'as pas précisé que c'était aussi Tarsier en fait, tu fais pas le bon chat là. Ok. Merci de faire le chat. Ah.
Tu dois de l'argent à quelqu'un, toi. Quoi? Ouais. À qui? À mes verres. Qu'est-ce qu'il raconte? Bah, je veux bien lui voler 10 balles, mais je les garde pour moi, hein, parce qu'il me reste plus que 16 euros. Attends, mais comment ça je vaux de la thune à Bébert? Ah non, 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 waouh, 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 waouh. Miranda va se calmer, hein. Je dois 0 thune. Ok, ça c'est bon. Ça, ça retourne là-bas. Oui, mais c'est même la poucave. Ouais. Tu peux voler 10 balles, elle me doit de l'argent. Oh, comment il essaye de gratter de la thune alors que c'est faux? Hop. Ah bah ça, on le retiendra, hein. Ça, on le retiendra. Hop. Et ben, ça sera celle-là. J'en ai trop marre. Ça y est, je suis en train de faire. Enfin, ça y est. Pourquoi le lundi existe? Je ne sais pas, KTP, je ne sais pas. Je ne sais pas si je trouve, je vous dirai, mais vraiment, j'en ai aucune idée. Darcy est troll, ok. Faut tout refaire des impôts, hein? Pour refaire quoi? Merci Couscous pour le follow. Alors attends. Ah, la page d'accueil, tu as des photos de Po avec les plantes vertes et un gros bandeau vert. C'est vrai? J'ai ça moi. Ah bon? Ah bon? Attends, frime. Mais du coup, si je fais ça. Ah bon? Quelle page d'accueil un pot avec des plantes vertes? Bah, il y a Maria, quoi. Il y a une plante verte? Oui, il y a Maria. Il y a Maria, mais il n'y a pas de. Y a un bandeau vert. Comment ça, il y a un bandeau vert? Non, mais ça se trouve, il essayait juste d'expliquer ce que tu voyais sur ta page et tout. Parce que là, il y a un bandeau vert, quoi. Là, il y a un bandeau vert aussi. Donc, il fait de l'audio-description. Mais en fait, ça bouge. Il fait de l'audio-description. Ça me stresse, j'aurais jamais dû faire un nouveau site. Si, parce que je pouvais plus supporter le dernier. Bref, il est pas extraordinaire, c'est pas fou, mais j'espère que c'est mieux, que ça met un peu plus en valeur les produits. Il va falloir que je le refasse pour intégrer la collection Intracite. Il y a quelques larmes dessus. Et refaire les sites, sachez qu'on adore ça. Ouais, et à la fois je ne sais pas faire, c'est pas mon métier, et à la fois c'est une source de stress enfin, absolument terrible. Mais j'ai l'impression que ça correspond un peu plus à mon travail. En tout cas, j'espère. Ouais, vas-y, là. Mais en fait, ça bouge. Oui, il y a un diapo avec quelques photos au début. Ah, alors peut-être. Alors peut-être. Mais c'est vrai que la meilleure page, c'est la page contact. Elle, c'est la plus belle. Elle est parfaite. Alors peut-être. La page contact? Oui. Alors, oh mon dieu, j'étais pas allée jusque là. C'est la seule qui est parfaite. Les autres, je sais pas ce que j'en pense. Toi, dégage. Mais elle est parfaite. C'est mon métier, graphiquement, c'est très réussi. Le côté technique n'est pas parfait, mais ça doit. Mais on doit ça à Wix. C'est gentil. C'est gentil. Oui, le côté technique, je pense qu'il est pas du tout parfait. Mais déjà, franchement, c'est tellement. En fait, le plus difficile, c'est que j'ai passé pas mal de temps à essayer de faire en sorte que ce soit responsif et tout, même pour les bandeaux, les trucs, mais impossible! En fait, Wix ne te laisse pas vraiment faire un truc responsif. Même quand tu cherches, tu tapes Wix responsif, ils te disent non. Genre, vraiment, littéralement, il y a marqué non. Et t'es bah, ok, super. Et du coup, pour le menu et tout, ça a posé pas mal de crises de panique. Mais donc on essaie de faire du mieux possible et Manu m'a beaucoup aidé psychologiquement et techniquement. Réponse de la France, non, c'était exactement ça. Ah mais KTP, c'était exactement ça. C'était Wix responsive, non. Merci Ryukaz pour le follow. J'aime trop la vidéo sur la faïence, on voit vraiment que ça prend ça doit prendre un max de temps. Oui, j'ai essayé de refaire la. En fait, j'ai refait toutes les pages et j'ai intégré tous les vases dans la boutique aussi et j'ai essayé de remettre un peu plus en valeur les panneaux de faïence pour voir les différents panneaux et c'est vrai que j'avais cette petite vidéo qui était un reels ou je sais plus et donc je voulais essayer de le réintégrer dedans parce que pour plus se rendre compte du travail que c'était en fait. Pour un site Wix, c'est vraiment propre. C'est gentil, merci beaucoup.
Faudrait que j'aille vérifier tous les liens et tout pour être certaine que ça va. C'est quoi responsive? C'est pour que ça s'adapte aux différents formats d'écran. Exactement, c'est ça. Parce qu'en gros, ben, tu fais... Je peux faire un... En fait, je peux très bien faire un site qui est clean sur mon écran, mais il va pas être... Enfin, tu vas pas le voir de la même manière sur, sur téléphone ou sur... et téléphone, c'est encore autre chose parce que, par exemple, sur Wix, tu peux voir la version mobile. Donc genre sur la version mobile, j'ai enlevé plein de trucs. Là, faut que je vérifie encore comment c'est, mais sur la version mobile, j'ai enlevé plein de trucs pour simplifier parce que c'est pas possible. Mais même quand je faisais mon site du coup sur mon PC fixe et qu'après je regardais sur mon Mac, bah en fait comme c'est pas du tout la même résolution, ça rendait rien, il y avait plein d'infos qu'on voyait pas. Et du coup, et en fait Wix ne permettait pas à ton truc de s'adapter quoi. Donc il te manquait des informations qui étaient coupées de l'écran en fait et pas du tout réadaptées. Et ça c'est en fait c'était ça la plus grosse emmerde avec ce truc. C'était d'avoir un truc responsive. Et du coup c'est vrai que quand tu tapes responsive et qu'ils te disent non, t'es en mode bah ok bah je comprends du coup. Genre sur téléphone c'est moche. Actuellement je dis pas que c'est moche. Faudrait que je re-regarde le téléphone, mais le téléphone, j'en ai passé un... Enfin, en fait, j'ai enlevé plein de trucs pour essayer de... Parce que c'était un sup. Le pire, c'était sur iPad. Quand il n'y a pas de responsive, oui. Le pire, c'était sur l'iPad. L'iPad, j'avais envie de mourir. Parce que surtout sur... Enfin, du coup, sur téléphone, il te montrait la version mobile. Qui était juste full simplifiée. J'ai pété un câble, les contrôleurs DF qui passent 3 fois une semaine pour choper les absents. On n'est pas à 14h au milieu de semaine à chaque fois si vous voulez avoir du monde. Ah oui, t'as encore les contrôleurs EDF qui repassent là? J'ai tellement peur à chaque fois de casser là. Genre d'appuyer trop fort et de péter le truc. D'ailleurs la batterie, ça y va? Ah oui, j'ai plus beaucoup. Attendez, je vais... Vous m'en voulez pas, je vous débranche. Ils m'ont reconnu direct, tu m'étonnes. Non mais attends, mais on vient toutes les semaines ici. C'est bizarre. C'est trop mal fait ça, Rodin. Ah, attendez. Mais non, parce que du coup... On m'envoie un message. Faut que j'y réponde. Oh, évidemment, j'ai pas d'internet. Merde, je peux pas y répondre. Si. Non! Ok, non, je vais pas réussir à répondre. Faudrait que je réponde plus tard. Oui, c'est qu'ils ont fait leur contrôle, sauf qu'il y a des personnes qui étaient pas là. Parce que, bah, par exemple, ils bossaient à 14h. Et du coup, ils repassent. Mais ils repassent à la même heure, donc bah les gens ils sont toujours pas là en fait. Parce qu'en fait ils bossent à 14h. Coucou Doc, comme un lundi, je te pose pas de questions. Promis, je pose pas la question. C'est toi qui douille EDF depuis 200 ans. Oui. Je connaissais tes travaux de poterie, mais pas de faïence incroyable. Oh, merci beaucoup. Ben, j'ai commencé avec les carreaux de faïence. Les premières pièces vraiment que j'ai fait en céramique. Enfin. Bon, j'ai tourné un peu des trucs, mais première pièce vraiment que j'ai fait en céramique, c'était les carreaux de faïence. Parce que quand j'ai commencé, je savais pas dessiner, moi. Enfin, non, je savais pas poter. Je savais pas faire de pot. C'est bon, je préfère, là, t'en penses quoi? Ouais, c'est mieux, c'est moins vide. J'aime bien. Au début, ouais, vraiment, moi, je savais pas faire de la poterie, je savais juste dessiner. Et du coup, les carreaux de faïence, ben, en fait, ça me permettait d'intégrer le dessin dans de la céramique. Mais sans trop avoir à me préoccuper de l'aspect poterie quoi. En fait les carreaux de faïence c'est plus mon travail de dessin. Et là après quoi que sur ma collection, ma première collection et ma collection principale, c'est plus mon travail de dessin aussi parce que les formes sont assez simples. Mais il y a quand même un travail de la forme. Et là par contre sur celle-ci... Le travail de dessin, il est un peu mis au second plan. On va faire une petite pause, hein. Petite pause, hein.
Combien d'attente pour une commande poterie? Alors, généralement, si c'est une pièce qui est juste une pièce qui est déjà en stock, c'est envoyé sous 3 à 5 jours. Du coup, après le temps que ça arrive en fonction de là où t'habites, par la poste. Après, si c'est des commandes personnalisées, dans ce cas-là, j'accepte pas tout en commande personnalisée. Je vais accepter des pièces que je fais normalement. D'ailleurs, il faut que je fasse les fiches produits. Mais c'est des pièces en fait que j'ai dans ma collection, que je peux faire, mais seulement avec des paysages, mais du coup avec un paysage particulier. Alors, je sais pas, tu veux le Mont Blanc, et du coup, je fais un mug avec le Mont Blanc. Ou alors, sinon, je fais des mugs personnalisés avec des animaux. D'ailleurs, j'en ai sorti, où j'ai sorti la petite tasse qui est chou. Tout ce qu'il y a dans la boutique, oui, en fait, dans ma boutique, c'est juste ce que j'ai en stock. Donc, c'est pour ça que des fois, il y a des pièces qui sont des pièces uniques. Ou alors il y a le nombre de pièces que j'ai en stock. Mais dans ce cas-là, tout ce qui est dans la boutique, c'est ce qui est en stock. Mais j'ai sorti cette petite tasse aujourd'hui. Du coup, il faut que je l'emballe et que je l'envoie. Et donc là, c'est on m'envoie les photos, on passe commande, on m'envoie la photo, et puis je peins sur la pièce. Et donc là, ça peut prendre un petit moment. Voilà. Ils sont trop mimes. Les petits chats sur de la porcelaine. Hop. Et en plus, j'ai mis... Hop. Là, j'ai mis celle-ci sur la boutique. J'ai trois tasses comme ça, là, en marbré. Les gobelets. Du coup, je les ai mis sur la boutique, là. Trop joli. Le gars avant moi payait pas non plus. Mais oui, mais ils disent que tu as payé alors que c'est trop bizarre. Petit chat avant de finir enroulé, il finit sur la poterie. Quoi ? Ça va pas du tout, la pinou. Pas touche au lapin, pas touche au petit chat. Oui, je les aime beaucoup en vrai, ces lapins. C'était des tests. Je sais pas, je pense pas en refaire, mais j'en ai trois comme ça, donc je les ai mis en vente. On boucle dans la playlist. Ah ouais? Non, pas encore. Ah si, peut-être. Pourquoi on boucle? Si, on doit boucler. Attends. Ah non, je vais mettre la radio. Attendez. Il y a moyen, on boucle, hein. Ça fait 2 heures, ouais, je pense qu'on boucle. Yeah. T'as raison. Je vais mettre la radio liée à la playlist pour rester dans le même mood. Si on a à peu près le même mood. Je ferais pop la part qui valait des millions. Ça va être toi. Mais par contre, autant je peux parler anglais et français, mais ça s'arrête là. La mythe espagnole, mais j'ai pas plus de compréhension. Putain, je vois rien du coup comme je gratte. Faut que j'enlève tous les trucs de poussière. Oh, faut pas faire ça. Faut pas taper les pièces comme ça. Tu es fou toi. Je suis fada. Dis juste bonjour. Bonjour. Demande l'autorisation à Tsum avant de développer son identité, c'est vrai. Si tu pars en Tsum Tsum. En Tsum Tsum, à la limite, ça passe. Bam la pièce, putain, je mets des coups. Bien qu'un peu étouffant, ne mange pas les tasses marbrées, hein, la pinot. Don't do that. Baudre.